à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui a été créé et qui est auto-édité par Alexander Danilov, un artiste russe qui habite en Italie. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Je vous ai déjà présenté ces jeux, enfin certains de ces jeux, puisque je crois que je les ai tous quasiment. Peut-être qu'il m'en manque un ou deux. Mais voilà, j'aime ce qu'il fait vraiment. Et celui-ci, c'est un de ses premiers jeux. Il s'appelle Fatigue of War, donc c'est la fatigue de la guerre. Et donc, dans ce jeu, donc Alexander Danilov a voulu représenter à travers les 22 arcanes du tarot les conséquences néfastes de la guerre. Voilà, donc c'est pas un jeu forcément très lumineux pour le coup. En tout cas, les illustrations sont très réussies. Et puis, en même temps, voilà, c'est aussi ça la spiritualité. C'est aussi aborder les thèmes difficiles, puisqu'on ne peut pas se contenter d'aborder uniquement la positive attitude ou la loi de l'attraction. Voilà, il y a aussi d'autres choses qui font partie de la vie, dont malheureusement la guerre. Alors, c'est la première édition. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'une. Il est encore disponible dans la boutique de l'artiste. Donc, je vais vous mettre de toute façon dans le descriptif de ma vidéo un lien vers sa boutique. Mais pour commander le jeu, il faut le contacter par email. Mais en allant sur son site, vous allez déjà avoir un aperçu de tous ces jeux. Moi, j'aime beaucoup les packagings puisqu'ils sont toujours très sympas, très simples quelque part. Donc, ce sont souvent des petites enveloppes ou des petits fourreaux comme ceci. Et j'aime bien, je trouve ça classe en fait. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà, comme une petite chemise quelque part. Et donc on a les cartes ici, avec tout d'abord la carte titre qui est numérotée et signée. Donc ce jeu, il est sorti en 2018. Il me semblait que c'était un de ses premiers jeux, mais pour le coup, peut-être pas, puisqu'il a sorti d'autres jeux avant. Voilà. Alors, il est signé par Alexander Danilov. Donc, les cartes sont en anglais. Elles sont grand format, comme vous pouvez le voir. Elles sont de très bonne qualité. J'aime beaucoup. Elles sont mates, elles sont pas brillantes. Et j'aime beaucoup la texture des cartes. Alors, les couleurs utilisées, forcément, elles sont sombres. Les archétypes du tarot ont été conservés. Donc, on retrouve les représentations classiques, même si elles ont été totalement réinterprétées, hein, forcément, par rapport au thème. Mais voilà, il y a quelque chose... On retrouve, quoi, on reconnaît le tarot. Moi, j'aime beaucoup son style artistique. Même si le thème choisi est un peu dur, voilà, moi, je suis fan de son art. Donc, et même comme ça, il y a toujours une certaine forme de douceur. Ici, par exemple, on a donc cette douceur à travers le ciel étoilé, par exemple, ici, voilà. On le retrouve aussi là. Donc, en fait, sur chaque carte, on a toujours quelque chose de doux, quelque part. On a comme l'impression que les cartes sont tachées, mais c'est vraiment fait exprès. C'est plutôt sympa, on a l'impression d'avoir des vieilles cartes qui ont été également abîmées par la guerre. Alors je pense que c'est un jeu qu'on peut utiliser pour faire du shadow work notamment. Bon, moi je pense que je ne vais pas l'utiliser puisque moi je l'ai pour la collection. Mais voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser vos jeux ou vous avez envie de tous les utiliser, puisque je connais
des personnes qui ressentent cette nécessité d'utiliser tous les jeux qu'ils ont, sinon ça, il n'y a pas d'intérêt, ce que je comprends parfaitement. Vous pouvez donc les utiliser, je pense, pour du shadow work. Donc le dos, le voici. Et donc voilà, comme je vous disais, les cartes sont vraiment grandes. Donc c'est une édition vraiment limitée à 500 exemplaires, collector. Je pensais qu'elle était plus ancienne que ça, mais en fait non, 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça, ça fait seulement 3 ans. Je pensais que c'était un de ses premiers jeux, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je me suis trompé. En fait, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, celui-ci, parce que j'avais ces anciens jeux, mais il m'en manquait certains. Donc j'ai passé une commande, et il y avait donc celui-ci qui me faisait de l'œil. Et je crois qu'il m'en manque encore des jeux d'Alexander Danilov. Je crois qu'il me manque son dernier, Le Normand, et peut-être aussi un jeu sur l'URSS. Il faudrait que je vérifie, voilà. En tout cas, j'ai présenté déjà ces tarots, et un de ces Le Normand, donc je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo, un lien également vers mes autres vidéos des jeux d'Alexander Danilov, comme ça vous pourrez regarder un petit peu, voilà. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.